amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en compagnie de Finlou et de un bouquet de fleurs. Bah, mon chéri m'a offert un bouquet de fleurs, un bouquet de roses rouges. Donc, voilà pourquoi je l'aime. La délicatesse en amour. Que dire? Bah, je l'aime. Voilà, alors je vous retrouve pour un retour de course Drive Intermarché. J'en ai eu pour, je ne sais plus combien, un petit peu moins de 100 euros. Alors, j'ai eu un produit manquant. Je ne vais même pas commenter parce que, voilà. Donc, il y avait une super, un poulet qui était à 6 euros et c'était une super offre. Mais évidemment, bah, il était manquant. Alors, je ne vous montrerai pas, mais j'ai pris deux paquets comme ça de croquettes pour le chien. Deux packs d'eau de cristalline et il y a également un pack de 12 rouleaux de papier toilette. Alors, je me suis plantée au niveau des croquettes pour le chien parce que il y avait une promo super intéressante. À partir de 15 euros d'achat, vous aviez 50% en bon d'achat pour la suite. J'ai fait ça cette semaine, j'en ai bénéficié. J'avais commandé la semaine dernière des surgelés et j'ai eu 6 euros en bon d'achat qui ont été déduits de cette commande-là. Je voulais faire pareil pour la semaine prochaine, sauf que comme une gourde, ben, j'atteins pas les 15 euros. Donc, en fait, j'ai commandé deux paquets de croquettes plein pot. C'est pas grave, il n'y a pas de souci. Ça sera utilisé. Alors, je vais commencer par les surgelés. Donc, j'ai pris de la purée de carottes par 107. Alors, je vais commencer à raconter ma vie. Vous savez que je vais partir en week-end dans quelques temps avec mes copines. Je vais laisser les 4 gars tout seuls. Et puis, ben, je ne vais pas les laisser en galère, les pauvres. Donc, je vais commencer un peu à batch cooker, hein, à leur préparer des petits plats que je vais mettre au congèle. Donc, j'ai prévu un chili maison, des lasagnes maison. Je vais leur faire une quiche. Et puis, il y aura aussi une boîte de cassoulet parce que, hein, voilà. Et moi, en fait, dans les lasagnes, je mettais des rondelles de carottes. Mais en fait, ils trient. Ils aiment bien trier. Donc, la sauce pour les... Enfin, la sauce. Voilà, la bolognaise. Là, voilà. Vous savez, vous avez la lasagne, vous avez la béchamel, puis la bolognaise, la sauce avec la viande. Et moi, dans la viande, dans la sauce tomate, viande, oignon, ail, etc., je rajoute de la purée de carottes. Comme ça, ça épaissit. Et puis, la purée de carottes, ils ne peuvent pas la trier. Petite astuce. Alors ensuite, j'ai pris donc une boîte comme ça de 10 steaks hachés. Donc ça, ça va me servir pour les lasagnes. Mais je pense que je vais faire aussi des spaghettis bolognaise. Voilà. Je vais essayer de vous donner à la fin les menus que j'ai prévus. Donc, j'ai pris 4 tranches comme ça de saumon rose et c'est tout pour le surgelé. Ensuite, on va passer au frais. Alors, j'ai pris 1 kg de kiwi, des carottes râpées non assaisonnées. En fait, je vais m'en servir pour 2 recettes. Je vais m'en servir pour ce soir parce que je vais faire des nems. Donc, douce pensée pour Céline, je vais tenter ta recette de nems. J'en ai jamais fait de ma vie. J'ai déjà fait des rouleaux de printemps, c'était une réussite, donc je pense que je vais réussir. Donc je vais m'en servir pour ta recette et je vais m'en servir aussi pour faire une tarte que j'ai vue, une tarte carotte comté que j'ai vue sur la chaîne de Mamie Isa Anderson. Donc moi je vais faire cette recette-là, mais je ne vais pas mettre que des carottes, je vais mettre également des champignons. Voilà. D'ailleurs, une grosse pensée pour toi et un gros merci pour le message que tu m'as laissé. Tu sais pourquoi, ça m'a touchée au cœur. Voilà. Je continue. Donc, pour faire ma fameuse tarte, ben j'ai pris du comté râpé, comme ça. Pas de prise de tête. J'ai pris un plateau comme ça. Alors, pour l'instant, on n'est pas du tout dans l'idée de faire des barbecues parce que ça caille. Mais voilà, donc j'ai pris un plateau comme ça, barbecue, un peu dans l'idée espagnole. Et j'ai le même que j'avais commandé la semaine dernière dans l'idée un peu italienne. Donc celui-là, c'est chorizo à griller et saucisse de je ne sais pas quoi. Donc on va se mettre ça au congèle. Ça nous servira bien, il n'y a pas de souci. J'ai pris un sauté de porc, donc il y a 500 grammes. Ça, j'aime bien, c'est pas cher et puis j'aime bien. Enfin, ils aiment bien. Voilà. À la maison, j'ai pris, hop là, une petite barquette comme ça de concombre à la crème parce que j'avais pas envie de les faire. J'ai pris une pâte feuilletée pur beurre. Je vais m'en servir pour faire la quiche que je vais congeler pour aller vous. Comme d'habitude, vous les voyez tout le temps dans mes retours de course, une salade iceberg. Je vais essayer d'avoir un petit peu de recul.
J'ai pris, comme d'hab, hein, des filets de bacon, donc il n'y en a 15 tranches, et puis, comme d'hab, du jambon comme ça, sans nitrite. J'avais pas vu, il y a 4 tranches plus 2 offertes, hein, j'avais pas vu, par contre, ça c'est cool, et puis la date c'est bien, ça va jusqu'au 13 mai pour les deux, ça c'est cool. J'ai pris du parmesan comme ça, râpé. Il est toujours à moins d'un euro à l'Intermarché, donc bah, c'est cool. Des allumettes de bacon, même s'il m'en reste au congélateur. J'ai pris des crevettes, donc ça va me servir. Alors c'est marrant, elles sont à 7,99€, mais moi j'ai payé 5,99€. Ils ont dû substituer la barquette, tant mieux pour moi. Je vais m'en servir ce soir parce que je vais faire des nems à la crevette. Voilà, et puis bon, je vais pas tout mettre, hein, donc je ferai une autre recette avec le reste. J'ai pris de la rouille parce que je vais faire une bouillabaisse. J'ai pris, hop là, des yaourts brassés comme ça. Donc, il y en a 16 hein, avec des parfums divers et variés. Comme d'habitude, j'ai pris des œufs. Là, c'est cool. J'ai eu les deux boîtes. Donc, j'ai mes 24 œufs. Voilà, ça part très vite hein, chez nous. Vous le savez. Je continue, j'ai pris voilà, 2 kg de pommes, voilà, elles sont très bonnes, hein. Je les prends régulièrement, j'ai pris, parce que j'en ai plus qu'un, des pains burger, donc moi je prends vraiment les classiques, hein. J'ai vu qu'avec ça, en retournant le pain, en ne mettant pas côté sésame, mais côté inverse, en les pressant avec une tostinette et puis du jambon, ça peut faire un peu une inspiration croque McDo, donc un de ces quatre, j'essaierai. J'ai pris, je crois, il y a un gros paquet, 500 g de raisins secs parce que j'ai sorti, ça fait pas partie des courses, mais je viens de le sortir, du riz rond comme ça, et je vais faire pour ce soir du riz au lait avec des raisins que je vais faire macérer un petit peu dans le rhum et puis des nems. On est vendredi, et le vendredi c'est toujours un peu, soit on se fait un apéro du vendredi, soit un menu un peu qui sort de l'ordinaire, donc des nems j'en fais jamais, et puis du riz au lait j'en fais jamais non plus, donc bah, à vous. Et puis pour ma bouillabaisse et puis pour le quotidien, j'ai pris un filet de 2,5 kg de pommes de terre. Il m'en reste un petit peu, mais voilà, ça va me servir. Donc là, on va passer aux promos. Voilà, ça va servir. Oh, ça fait du bruit. Hein. Pour l'apéro, donc il y en a deux. Donc deux paquets de chips comme ça, donc, ça fait 200 grammes. Le deuxième était à moins, je ne sais plus combien. Je vous mettrai la promo en photo. Alors là, c'est pareil, le deuxième était à moins 68%. Ça va aller direct au stock. Voilà, donc des lentilles, donc deux paquets de 500 grammes. Moi, je les passe au congélateur hein, pendant 48 heures avant de les mettre dans mes récipients, mes bacs de conservation. La fameuse boîte de cassoulet pour les gars quand je ne serai pas là. Je ne suis pas sûre qu'ils en auront assez, mais bon, ils compléteront avec un peu d'haricots verts. Hein. C'est pas un manchot non plus, hein. Il saura bien se débrouiller quand même. Pareil, il y avait une promo, donc j'ai pris du riz. Ça tombe bien, mon stock de riz commençait à baisser sérieusement. Donc ça, c'est cool. Et puis, idem, en promo. J'aime bien ces pâtes-là, je trouve qu'elles changent. J'aime bien. Des coquillages, pardon, que je vais mettre au congèle. Comme tous mes féculents. Alors, je remets ça là-dedans. Je vais vous donner un peu les menus de la semaine. J'ai commencé à réfléchir un petit peu. Alors, je voulais faire un poulet rôti avec un gratin coquillette. Mais bon, il manque le poulet. C'est pas grave, puisque j'en ai déjà un au congèle. Parce que j'ai fait aussi un espèce d'inventaire de ce que j'ai dans le congèle. Et j'ai beaucoup de choses au congèle. Hein. J'ai des bavettes, j'ai un morceau d'agneau. Enfin, j'ai pas mal de trucs. Et ce que je voudrais faire la semaine prochaine, c'est... moi, j'aime pas trop le principe des semaines blanches parce que j'y arrive jamais. Mais je voudrais partir sur des courses... Je voudrais essayer de vider au maximum mon congélateur, parce que j'ai même des trucs qui datent de Noël, des petits fagots de haricots lardés, etc. Enfin, il faut vraiment que maintenant, on les écluse. Et je voudrais, avec l'argent qui me reste de mon budget hebdomadaire, je voudrais refaire un peu de stock, parce que, bah, par exemple, la purée en flocons, ça commence à baisser, les conserves, il y en a un petit peu moins. Donc, je ne veux pas me laisser... Je ne veux pas me laisser déborder et après devoir refaire un stock et refaire 400 € de courses spécifiques stock.
Donc, même si j'ai pas eu de poulet cette semaine, je ferai quand même un poulet rôti puisque j'en ai un. Ensuite, j'ai de la truite fumée. Donc, je vais faire des pommes de terre vapeur avec de la truite fumée. Et puis, vous savez, une espèce de petite sauce crème, ciboulette, échalote. Enfin, moi, j'adore. J'ai du cabillaud au congèle. Donc, je vais faire du cabillaud avec une sauce tomate, parmesan, poivron. Je mixe tout, oignon, c'est super bon avec de la semoule. À chaque fois, il y a toujours des légumes verts. Hein, donc, ça peut être une botte de macédoine, des haricots verts, des brocolis, peu importe. Mais je vous donne le menu et à côté, il y a toujours des légumes. Et puis moi, en ce moment, ça y va, les légumes. Hein. L'objectif étant de perdre du poids. Je vais faire des fettuccini avec le saumon, là, les tranches de saumon surgelé que j'ai acheté. Je vais faire un sauté, le porc que j'ai acheté, le sauté de porc. Je vais le faire au curry avec du riz et des brocolis. Je vais faire une bouillabaisse. J'ai du poisson au congèle, hein, je précise. Je vais faire une tarte carotte comté champignon avec de la salade. Il me reste encore de la salade au frigo, donc il faut absolument que je fasse ça rapidement. Et les nems de ce soir aux crevettes, c'est pareil, elles vont passer avec la salade qui va quand même commencer un peu à flétrir. Hein, ça se garde pas. La salade iceberg, elle se garde quand même bien, mais bon, elle se garde quand même pas non plus trop longtemps. Voilà, bon, bah écoutez, voilà mes petites courses. Et puis pendant mon absence, les lasagnes, la quiche, le cassoulet, le chili, je vous en ai déjà parlé. Je vous ferai prochainement une vidéo sur qu'est-ce qu'il y a dans mon congélateur pour qu'on puisse faire un petit peu ensemble un point. Et puis que je vous explique quelles recettes je vais faire avec ce qui me reste dans mon congélateur et puis comment je vais un peu organiser ma semaine un peu spéciale parce que je ferai une semaine de course beaucoup plus axée sur le stock que sur la nourriture du quotidien. Voilà, donc je vais vous laisser parce que j'ai dû surgeler et surtout parce que je vais aller mettre mes roses dans un vase. Je suis super contente. Voilà, ça c'est vraiment le genre de petites attentions parce que des fois vous m'entendez pester contre mon mari, ouais, gna, mais en fait c'est un peu notre truc. On essaie de se faire des attentions l'un l'autre. Donc, moi, j'essaie des fois de faire des petits menus surprises, on se fait des surprises, quoi. Et c'est ça qui, je pense, participe quand même au fait qu'on soit bien dans notre couple. Voilà. Bon, écoutez, je vais mettre en cuisine. Hein. C'est parti pour les nems. Donc, j'ai sorti... je suis en train de réhydrater des champignons. C'est ma sœur qui fait ça. Hein. Ce sont des champignons bio. Une de mes sœurs qui fait ça. Hein. Voilà, mes vermicelles, ils sont en train de tremper dans l'eau froide. J'ai sorti les œufs. Je suis allée cueillir de la menthe du jardin. Voilà, un petit morceau de menthe avec de l'oignon. Enfin, voilà, tout est prêt pour... il n'y a plus qu'à. Donc, je vais ranger tout ça et puis je vais mettre en cuisine. J'espère que je n'aurai pas parlé trop vite. Mais là, il faut que j'active la manivelle. Je vais vous faire à tous de gros bisous. J'espère que vous allez tous bien déjà. Je voulais vous remercier tous pour vos gentils messages qui m'ont beaucoup touchée ces derniers temps. Voilà, je vous embrasse tous et puis je vous donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, bye bye. Gros bisous.